elle s'envole, Cassandra Beaugrand. Elle arrive comme ça sur le quai d'Orsay, une ambiance de stade de foot, c'est magnifique. Ce qu'elle est en train de réaliser, c'est à elle d'aller boucler comme ça ce magnifique parcours ici à Paris pour les Jeux de Paris 2024. Elle est facile, elle est concentrée, on ne sent pas de rictus, de fatigue ou de douleur ou de crispation sur son visage. Elle va faire demi-tour pour arriver ensuite sur ce pont Alexandre III. Elle va aller chercher cette médaille d'or, Cassandra Beaugrand. Elle va aller la chercher, Emma Lombardi. Elle malheureusement n'arrivera pas à remonter sur le podium. Elle est toujours à une cinquantaine de mètres derrière l'Anglaise Potter, alors que Julie Doron a tenté de s'accrocher, mais désormais elle est larguée. Ouais, la médaille d'or, elle est là. Le trou est fait, dire, à moi d'une chute, à moins d'un coup de tonnerre et d'un éclair qui s'abatte sur la tête de Beaugrand. Elle va être médaille d'or dans quelques instants, Benoît. Allez Cassandre, c'est à toi de bien négocier cette fin de course. C'est un demi-tour encore une fois à gérer. C'est jamais facile de gérer ces demi-tours parce qu'il faut systématiquement relancer. Mais là, elle le sent, elle est galvanisée par le public. Et elle est tellement facile, cette impression de facilité. Depuis le début de la course à pied, elle a parfaitement géré le cyclisme, le vélo justement. Elle est restée dans les roues de ses principales concurrentes. Elle donnait très peu de coups de pédale. Et là, elle en bénéficie justement sur la fin de la course à pied. Elle va attaquer le demi-tour. D'ici quelques secondes, l'ambiance qui monte, Cassandre Beaugrand, la reine du triathlon français, va aller chercher la plus belle des médailles dans sa discipline, la médaille d'or olympique. Et quelle foulée, hein, Benoît, quelle foulée, quelle foulée magnifique. On est à plus de 18 km/h. Cassandre ne souffre pas, elle fait demi-tour et elle va pouvoir justement arriver ici au pont Alexandre III d'ici quelques secondes. Voilà, on entend l'ambiance, français, les drapeaux français qui volent dans le vent ici sur le bord de Seine. Les supporters, les spectateurs sont dingues parce que la première médaille d'or du triathlon français va arriver dans quelques instants. Elle est là, encore 200 mètres à parcourir pour Cassandre Beaugrand. Les drapeaux français sont sortis. Vas-y Cassandre, tu es grande, Cassandre, tu es grande, c'est magnifique, magnifique Cassandre Beaugrand, le sourire justement sur les derniers mètres, Cassandre Beaugrand, championne olympique, Cassandre Beaugrand, championne olympique du triathlon féminin, la première médaille de l'histoire en individuel pour le triathlon féminin. Quelle course réalisée, quelle partie de course à pied pour Cassandre Beaugrand. La deuxième place pour Julie Doron, la Suissesse, Beth Potter termine troisième. Et Emma Lombardi, l'autre pépite du triathlon français féminin, qui termine quatrième. Quel exploit de la part de Cassandre Beaugrand, championne olympique de triathlon.